What's up YouTube? Madou, gangsele, toi, ça va? La santé, ça va? La famille, ça va? Alors ça va. Petite news, on a sorti une nouvelle vidéo SLC sur la chaîne. Salut les connards, le lien est dans la description, allez donner de la force, un petit pouce, ça fait plaisir. Deuxième news, le live YouTube que j'ai fait, le premier live YouTube, s'est super bien passé. J'ai reçu beaucoup de dons. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Bref, ce que j'ai décidé, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tous les lives que je ferai, les dons seront gardés pour les réutiliser et créer du contenu. Du contenu de fou. On va vous faire des vidéos, on est en train de prévoir ce qu'on veut faire là-bas. On est vraiment en train de vous créer quelque chose de gros. On dit, on fait. Pour rester branché, c'est la chaîne SLC Salut les connards. Et puis ici, pour les lives, si vous voulez participer, vous savez à quoi ça sert. Je suis pas en train d'économiser pour m'acheter des chips. Enfin, peut-être quand même des chips, ouais. On va faire des trucs grands. Trêve de blabla. Battle du jour, messieurs, dames. La manif, Runo, ça c'est un kiff personnel. J'aime ce battle, je me souviens que je le regardais beaucoup à l'époque, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, on va se la faire, on n'est pas à ça près, let's go. La manif, premier battle sous la bannière du Rap Contenders, Runo, qu'on n'a jamais revu depuis. Pourtant il avait pas fait un mauvais battle, à ce que je me souviens, non? Let's go, on va se voir ça. RC Espoir édition 2, il fait chaud, Trinpo, et on a le plaisir. Pareil, disparition totale, je sais pas de quoi il a peur. Savoir avec nous le champion du monde End of the Week. Yeah. Énorme, c'est un ouf la manie. Marshall, après toi. Merde, tu fais bouger. Alors là, on a un battle, comment dire, il y a un mec qui n'est pas tout seul dans sa tête. Et il y a un autre gars qui est vachement reconnu sur la scène d'End of the Week. On l'a pu le voir pas mal de fois au labo. Il s'exerce sur la nouvelle discipline des battle rap. J'ai se présenter à ma droite. Et Runo 78, Dirty Zoo, Big Up. Ma gueule, il m'amène de Xy. Également Runo 78. Le mec est fou. La manif, tous salopards, est-ce que vous êtes là? Je sais qu'on est venu ensemble en train d'engueuler. J'ai oublié qui a gagné le combo. Ouais, et il était déjà hyper marrant à l'époque, hein. C'était ces espèces de mimiques là. Moi je trouve ça hilarant. Hein. C'est la manif. On va laisser commencer. Alors à la base, je devais pas l'affronter. À la base, je devais tomber contre un type Zarb. Il avait dû avoir un accident de survoi. Enfin, je sais pas vraiment, tu vois, le fait est qu'il lui restait une dent sur trois. C'était un gars physiquement laid, pas viril en fait. J'avais toutes mes lines ici en tête. Damn! Je devais affronter un type qui avait une calvitie dentaire. D'ailleurs, ma mère me disait brosse-toi les dents, sinon un jour t'auras des caries carrément. Mais toi, si tu brosses tes caries, bah peut-être qu'un jour t'auras des dents. Là, bon, on peut se dire qu'il avait le seum contre le mec qui a annulé le battle, mais je pense qu'il avait écrit des lines tellement bonnes qu'il s'est dit, parce qu'elles sont excellentes. Je sais pas pourquoi ça réagit pas comme ça d'ailleurs, mais je pense qu'il a voulu les mettre quand même parce qu'elles étaient bonnes quoi. Toi maintenant, je connais absolument rien sur toi. T'es peut-être un gars cool, mais je vais quand même te défoncer. Donc je voulais te tailler sur tes lunettes et sur ta coupe. Puis je sais plus pour quelle raison j'ai renoncé. Moi j'aime bien que ça punch. Mais quand je te regarde bien, je me dis que t'as vraiment une dégaine de punk à chien. Mais une haleine de chien à punk. Donc avant que tu partes faire une brocante dans la Meuse, Chicano Boots, tu t'expatries pour une rêve partie dans la Creuse. Je voulais te demander, Runo, pourquoi t'as rajouté MC? Enfin, je veux dire, c'est débile, on le sait, enfin. C'est comme s'il disait Tetris, MC, Hermano, MC, Gram. Non, rien. Ah, il y avait déjà une petite histoire d'amour avec Gram à l'époque. Elle se connaissait déjà? Quelquefois, je taquine mes potes, même quelquefois, ils me parlent plus. Toi aussi, des fois, tu taquines tes potes, mais sauf qu'après, ils te tapent dessus. Attends, une dernière. Puis je voulais te dire, je couche avec ta mère, ton père et ta fille, j'ai une relation avec ton frère, ta soeur, ta petite amie, ta tante avec son chien et son mari, avec ton cousin Germain, à deux, on défonce mamie, c'est encore la famille. Tranquille, c'était rien. Regarde-moi dans les yeux. Ah, c'est un ouf. Et premier battle, il était déjà lourd, hein. Ça, c'est la marque des grands, les gars. Vous voyez, tous ceux qui veulent aller prendre la chaîne, là, regardez votre premier battle. Si ça commençait déjà... Tu vois, le début sera comme la fin.
Non, il est très très bon premier round. Dans les verres. Appelle ta sécu, tes zinc, tes potos et les stars. C'est parce que tu fais trop le singe que je me dois d'être Joe et Star. Donc vu qu'on est deux, ça fait de toi cool chaîne. Écoute mec, ça pue la merde, you know. C'est ça de flairer ton disque. Je vais tellement te la mettre profonde qu'à la fin de ce battle, tu me crieras Runo, laisse-moi traîner ton fist. Oh. Donc je rentre dans ce clash comme sur un playground. J'ai vu ta pochette de Skeutard, le rappeur, rocker qui respecte Ap les grands. Mais arrête, t'as pas la crête, t'as pas la tête, t'es Ap un bête de punk. Par les bras, je t'accroche au plafond, te coupe la tête, m'en sers de ballon. Et dans ton anus dilaté, je claque un bête de dunk. Pour les sportifs, ceux qui ont reconnu. Pour les sportifs. La manif, tu pues la merde. Car la manif s'essuie et a s'essuie. Il est en train de ruiner son roi, son round. Quel bâtard! Eh, la manif, c'est pas bien. Là, t'es en train de lui niquer son round, mec. Il est déjà perturbé. Hein. J'ai même pas compris la barre du dunk dans le cul. Là. Je claque un bête de dunk, Ap les grands. Ouais. Mais arrête, t'as pas la crête, t'as pas la tête. T'es Ap un bête de punk. Par les bras, je t'accroche au plafond. Te coupe la tête, m'en sers de ballon. Et dans ton anus dilaté, je claque un bête de dunk. Okay. Pour les sportifs, ceux qui ont reconnu. La manif. Tu pues la merde. Car la manif s'essuie et a s'essuie. Tout le R s'essuie, c'est sûr. Tu n'es qu'une pute des rap battle. Tu crois avoir plein de public à Paris, mais c'est juste que Srinpo a bien fait son taf de rap batteur. Des blancs, des noirs, des arabes. Yo Masta, dans ton cul on y fourre tout. Ton slogan de pute c'est open bar, open cul, je suis la manif pour tous. La manif. Il perd le round, mais bon, hein, bon premier round, j'aime bien. Pas top top. Hein, c'était pas... Il a raison en plus. C'était pas transcendant, tu vois. Mais c'est pas un round où tu viens t'humilier toi-même, tu vois. C'était pas un round gagnant, tu vois. C'était pas un round de mec qui va faire une grande carrière de battle MC. On est d'accord. Deuxième round. La manif, quand tu veux. Son, le RC Espoir, quand même, un peu light. Pour le RC Espoir, on est quand même un peu light. Yo. Je voulais te dire tout à l'heure, j'ai volé et j'ai revendu ton break. Puis après, j'ai violé et j'ai pendu ton kleps. J'ai fisté la carcasse avec de la moutarde. Puis j'ai gardé les restes pour que Nem nous fasse des samoussas. Je sais que t'es passé à France Hall. Et j'ai maté ta presta. Vraiment, j'ai été bluffé, je suis resté sur le cul. Vraiment, je savais pas. Après ça, j'en ai même parlé à mes gars. Je me suis dit, merde, c'est vraiment chaud. On a vraiment une chaîne qui s'appelle France O. C'est l'histoire du McDo et des frites. Chérie, ils ont refait le Big Tasty. Par contre, il y a un truc que je trouve extrêmement énervant. C'est les gens qui parlent derrière. Oh là 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 là. Oh, t'arrêtes ou tu sors T'as payé pour faire ça? What? On va en parler ça. Les gens qui parlent pendant les battles, c'est quoi votre délire? Quel est votre problème? Non mais dites-le nous! On va le régler votre problème. Tu viens, tu payes pour rentrer là-dedans et tu parles pendant le battle. Mais ne paye pas et reste chez toi. Oh, c'est quand même fantastique ça. Non mais que ce soit dit, je vous déteste du plus profond de mon cœur. Beaucoup. Oh. Tes impros sont nuls. En même temps, l'impro, c'est pas non plus mon truc. Quelqu'un pourrait lui dire que c'est pas son truc non plus. impro, ça peut te faire. Ah, c'est Godier, d'ailleurs. Je vous jure que c'est vrai, une fois, il commence son impro par « Yo, je fais que me répéter ». Mais... Godier, Tetris, Marshall. Un mec avec un crâne très très luisant. Le crâne rasé ne te va pas. Il ressemble à un œuf. Mona aussi, il ressemble à un œuf. Ils sont tous venus pour faire une omelette ou quoi? Répéter, avant même de t'être répété. À un moment donné, tu vas te répéter. Non mais, j'aime bien le concept par contre des freestyle bags, tu fous dans un sac et tu sors un objet au hasard. Mais à la base, c'était pas réservé aux Roms et aux Arabes. Oh non, vraiment, je déconne pas. C'est des clichés. Hein. Le Rom aurait d'abord mendié, puis l'Arabe, il serait parti avec le sac entier. L'autre fois, pareil avec ta sœur, je fouille dans son sac, dans ses affaires, et je tombe sur trois capotes et un god Miché, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec? Pareil, j'ai improvisé. Et même tout à l'heure, je fouille dans ton sac et je sors 200 balles. Mais comme je suis mauvais en impro, je suis allé m'acheter un jean et une paire de sandales. Par contre, je t'ai quand même laissé le reste pour que tu puisses t'acheter des sables. Vraiment, tu me fais trop de la peine. Ton débardeur est tellement large que même Vincent des Omaken pourrait y danser la soca dance. Oh Belle midi. Bon, à part ça, on voit Armando dans le fond là. Ils sont tous des crânes luisants, les gars. Frottez-vous les uns contre les autres. Comme ça.
ça va faire des étincelles. Chicanos Bulls, ça va, il a pas foutu la merde jusque là. C'était pas à ces battles là, je crois que c'était plus avec Hermano, c'était trop. Oui, non, c'est très large, c'est très ample, c'est ample. Il est en train de prier ? C'est ça, c'est super ample. Mais non, mais tu veux ? J'ai des sables de merde, mais t'es mal bouton sur ton polo. T'es la seule bitches qui porte des sables tout slim pour faire semblant qu'elle est costaud. Alors ne clash pas mes sables, toi tu viens de la province, donc tu viens de Marseille, moi... C'était quoi le rapport avec le bouton du polo, s'il te plaît ? Paname, à la fin de ce classico, on m'acclame et tu repars. Sauf que pour fumer, je n'ai pas besoin de l'arbitrage à Clément Turpin. Entre nous, pas de passe, pas de feat et pas de crossover. Pour ce soir, je suis Emmanuel Val, je te renvoie dans ton pays comme un Kosovar. C'est sale. Crossover, Kosovar, ça j'aime bien cette façon de rimer par contre. Ça, bah Marseille, ça, ça. Et t'atterris direct sur la canne-bière. Donc pour Kidbourg, j'appelle Marc Dorcel. C'est hardcore, je te morcelle. Yo, pas de bol, tu meurs seul. Tu reconnais bien là, le style du fat boy en Marseille. Ah, ouais, c'est toi. Ok. Aïe, aïe, aïe. Putain, t'es venu en Marseille pour faire cette phase. Oh là 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 là. T'es pas une bonne solution, hein. Ou au moins fallait prendre un Marcel à ta taille, là. On dirait Woody Allen qui s'est rasé la tête. Mia, tranquille, pépère. La manif, j'ai écouté ta tape de merde. Mais c'est comme faire le bousier, vouloir boire ton caca. Elle s'appelle « Suce-moi, je t'aime ». Mais c'est pas la phrase que disait tous les soirs ton papa. Allant le temps d'un sèche, par de l'inceste de cette famille de cons. D'ailleurs, vous avez tous la tête à Mr. Pin. Trop souvent, quand il était petit, les soirées Lego avec le daron se finissaient en soirée Mr. Freeze. On continue dans la finesse, la dernière. Ah, ils l'ont laissé. Là, ils l'ont abandonné. Là. Il a fait une bonne barre, mais tout le monde est. Oh, on s'en bat les couilles, gros. On veut juste que tu te fasses assassiner. Ça, c'est pas bien. La manif pour gifler, tout comme Dalsim, juste mon bras long. Petit, quand on lui disait nique ta mère, c'est le seul bolos qui répondait non, suce mon daron. Avant que tu déchires ton cul, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, je suis confus. Mais tes vannes, tout ça, ça fait rire personne. Et même si personne était une vraie personne, ça ne ferait pas rire non plus. Puis, tu peux me. C'est F, Marty, la manif. Traiter de PD, mais ça vraiment, ça me trouve le cul. C'est même pas vrai, je saute sur tout ce qui bouge. Jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Je l'ai entendu dans un battle québécois récemment. Je tire sur tout ce qui bouge jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Et je crois que je l'avais déjà entendu avant ça d'ailleurs. Waouh, Marche à l'ombre, il avait 17 ans. La légende raconte que ta mère est frigide, mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai réussi à la faire jouir, mais j'en ai bavé. Et toi et tes potes, vous êtes une vraie bande de PD. Pour leur plaire, c'est ton corps que tu sculptes. Tu baisses pas de meuf, mais tu te mets cul nu. Et puis tu te branles sur un pote qui se branle, sur un pote qui se branle, sur un pote qui fait de la muscu. Ça y est, c'est là qu'il commence à débiel. J'ai vraiment aucune haine envers toi, c'est vraiment que de l'amour. D'ailleurs, beaucoup d'amour sur toi, des litres d'amour sur ton visage. Si t'en veux plus, je ramène 2-3 potes bizarres qui t'ouvriront la bouche et qui te couvriront d'amour. On fout de l'amour de partout. Et t'en es très friand. Ta mère est une pute au chômage, depuis que la mienne lui vole tous ses clients. Ce jour-là, je me suis dit, bon, ce mec est complètement malade, c'est n'importe quoi, arrêtez ça. Il a gagné, mais virez-le. Voilà ce que je me disais. Ton père est un trave, ton père est un trans, ton père c'est pile, mais mon père c'est pire. Puis, des fois pour me distraire, je me fais jouir en reniflant la culotte de ton petit frère. C'est sale, mais c'est bien, bien. Ta soeur, tu fais la cour, je la bourre et je la fourre. Puis, quant à ta femme et tes enfants, eux, sache que je leur donne tout mon amour. En scred, je suis un pertinent comme deux phares. En deux faces, tu perds, tu meurs, tu vas en pavé. Car la vie est une manif, ta face une vitre et moi un pavé. Tu ne peux pas percuter. Fab, Paris, 98. Ça arrivera peut-être dans 5-6 ans. Là-bas, là-bas. Après, c'est là que tu me diras après. Je t'expliquerai la culture rap, y'a pas de soucis.
Yo, ma gueule. Non, tu veux me clasher, mais te faire une éjac faciale, c'est comme aller aux toilettes. Genre ma bite et je vise entre les lunettes. Il y a une petite réponse sur le... Il y en a qu'une de lunettes aux toilettes. On peut arrêter ça? Allez, vas-y. Viens à la manif. Ah ouais, c'est de l'impro. Il a fait son troisième en impro. Très bonne idée. Tu vas te vanner, toi et ta meuf. Non, franchement, il a le droit de lui faire la cour. Au quotidien, je bosse avec des trisos, donc je fais partie de ceux qui militent pour que même les handicapés aient le droit de faire l'amour. On se pose tous la question. On se pose tous la question. Comment tu l'as chopé, je sais pas, t'as vu au final? Je crois que tu causes trop. Mais sur ton polo, mes impacts de balles forment ton logo. X-Men. Il crie pour des blagues de merde, alors pour les références, on va leur faire une couille. Il m'en bat les couilles. J'ai vu un interview d'Ayam. Ils ont dit, on est les rois de l'Europe. De chez nous viennent psychiatres de la rime, tous salopards, la manif. Bref, on arrête le rap. Ah, on tue. Quelle différence y a-t-il, yo. Quand t'étais petit, vous auriez vu son père. C'était un spectacle de fou. Le propre biberon de son fils lui servait de réceptacle de foutre. Alors quelle différence y a-t-il entre toi et ton père quand vous tapez un match de foot? Non, quoi, vous, tu vois pas du tout? Ben c'est qu'à chaque fois que tu marques du pied, eh bien lui, il te marque du trou. Bon round de Runo, hein, mais bonne dernière punch, pardon. Le round n'était pas bon. Les idées n'étaient pas bonnes. L'improvisation, mauvaise idée. Non, il y a que deux rounds. Eh ben 3-0 pour la manif. Runo, la manif, victoire de la manif pour moi, bonne entrée en matière. On a revu des trucs qu'il a développés plus tard. On a senti la patte du Mr. Fister qui allait arriver. Et puis le reste, c'est de l'histoire. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez la chaîne. Restez branchés pour tous les projets qui arrivent. Allez voir sur la chaîne SLC. Salut les connards. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et restez gangsters.